Yo les gens, salut à tous et à salam allez comme à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas de Call of Duty malheureusement mais une petite vidéo en personne. Je vous l'avais promis hier dimanche, aujourd'hui alors je vous pas, nous sommes lundi. Euh, je vous ai dit que justement j'allais vous faire une petite vidéo comme ça en personne où en gros on allait faire un petit briefing, où en gros parler un peu de cette semaine Customab Zombie que j'ai pu vous proposer et puis voilà. Donc on va, on va vraiment parler sincérité, on va vraiment parler... Hum... D'homme à homme, <laughs> d'accord et, euh, et puis voilà, je tenais vraiment à, à le faire parce que comme ça, ça me permettra un peu de voir un peu euh, ce qui va, ce qui va pas avec vous, d'accord Donc, j'ai pas, malheureusement, j'ai pas pu tout sélectionner parce que déjà, il y avait beaucoup <laughs> des top commentaires. Euh, mais quand vous regardez bien, les commentaires se ressemblaient à peu, à peu près. Hein C'est-à-dire que les commentaires étaient différents, mais ça disait la même chose. Ou ouais, est ce que je veux dire ou pas La plupart des gens, la plupart du temps, les gens me reprochaient le temps de vidéo. C'est un exemple. Tu vois ce que je veux dire ça revenait souvent, le temps de vidéo, euh, plus de découvertes, d'ouvrir plus de portes, etc. Enfin bref, ça on en reviendra dans quelques instants, et puis voilà. Bah, donc sans plus attendre, on va commencer par le premier commentaire. <laughs> bon, désolé si je le prends avec sourire, etc. Mais certains commentaires sont marrants, Voilà, et euh, les, les commentaires que j'ai sélectionnés, malgré qu'ils soient négatifs, enfin des, commentaire con des commentaires, on euh, va euh, dire un peu... Euh, critiques, mais constructives, euh, je les ai super bien pris, d'accord Ce n'était pas comme si quelqu'un débarquait de nulle part. Là, les gens qui m'ont laissé des commentaires que j'ai vu, j'ai vu de mes propres yeux, ce pas la première fois que vous commentez. Donc, de mon côté, j'ai de quoi de prendre bien vos commentaires, d'accord Et de mettre en, à l'avenir en pratique, ok Donc, sans plus attendre, c'est parti, le premier commentaire de Tof Ouizi. <laughs> Putain, plus long, TK, plus long <laughs> Ton commentaire s'est ramassé plus de 73 pouces bleus. Beaucoup de personnes ont été d'accord avec toi. T'as eu des commentaires et réponses aussi. Plus long tes cas de vidéos, oui, c'est vrai. Euh, top vous y. C'est ex extrêmement vrai ce que tu dis. Plus long, mais malheureusement, tu connais ma crainte. Hein, je te laisse devenir ma crainte, c'est quoi C'est que euh, mes vidéos. Moi, ça me gêne pas. J'ai le PC puissant qu'il faut pour faire très vite les rendus. J'ai la connexion pour euh, uploader très très vite les vidéos. Parfois, ça m'arrive de, 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 de upload mes, mes vidéos à la, à la dernière minute. C'est-à-dire que la vidéo, je, je dois la sortir à 19 h et bah, 18h40, 18h45, je la publie. Au dernier moment, parce que j'ai pas eu le temps. Mais j'ai le temps, tu vois ce que je veux dire C'est vrai ce que tu dis. Mais comme j'ai pu le dire en quelques instants, ma crainte c'est. J'ai peur que tu t'ennuies. Tu vois, là, je, te... je m'adresse à toi, parce que c'est toi qui m'as écrit le commentaire. J'ai peur que tu t'ennuies. Par exemple, là, aujourd'hui, je vais proposer une vidéo de 20 minutes, tu vas la regarder jusqu'au bout. Mais j'ai peur que la prochaine qui dure 50 minutes, j'ai peur que tu la regardes pas jusqu'au jusqu bout. C'est ça ma crainte. Si c'est pas pour que tu la regardes jusqu'au bout, ça m'intéresse pas. Tu comprends Donc voilà. Mais. Putain, plus long, TK, plus long, j'en prends note, promis. En tout cas, merci de dire pour ton commentaire. Euh. Mérographiste, salut Jawed, je vais essayer de te proposer une critique constructive. Tout d'abord, je trouve les épisodes trop courts. Ça, c'est ce que j'ai dit il y a quelques, quelques instants. Les gens me reprochent tellement que mes épisodes soient trop courts. Tu ne montes pas 100% de la map, ça c'est vrai. Et c'est dommage. De plus, je trouve ça dommage de spoil l'exclusivité principale de la map. C'est vrai, j'ai tendance aussi à spoil beaucoup. Mais ça je vais vous expliquer pourquoi. D'abord je finis. Dans le titre en sachant qu'il faut quand même un titre qui donne envie de regarder la vidéo. Par exemple je suppose comme titre Custom Map XX, une carte exceptionnelle. Je sais c'est nul car je l'ai inventé en une seconde mais au moins c'est à sans spoil le contenu malgré ça. Je suis toujours heureux de partager ta bonne humeur et c'est vraiment ce qui fait le charme de tes vidéos. Bonne journée. Merci Miro Graphiste. Euh, merci pour ton commentaire, t'as beaucoup de gens qui ont été d'accord avec tes propos. Euh, tu rejoins exactement tes camarades. Tes camarades, même si c'est des inconnus à tes yeux, mais comme je peux le dire chaque fois, on appelle ça les camarades. Euh, tes camarades sont, sont d'accord avec toi. Et beaucoup, beaucoup de tes camarades m'ont reproché la même chose. La durée de vidéo, le fait que... que, que, que comment te dire La durée de vidéo le fait que je que je montre pas assez que je fais pas assez de découvertes et le truc qui revient le plus souvent ces derniers temps depuis cette semaine custom map zombie c'est les les spoils les spoils je sais pas comment on dit ça mais euh, le spoil c'est vrai que j'ai tendance à, à trop dire ce qui se passe dans la vidéo en un seul titre pourquoi parce que bah maintenant je vais y répondre je, je vais te dire pourquoi je spoile le titre pour la simple et unique raison c'est que c'est pour moi c'est c'est une manière de vous attirer directement vers ma vidéo ouais c'est ça c'est une manière de vous attirer, de dire par exemple je vais marquer Oh putain la porte à cinquante mille points je vais dire Oh putain la porte à 50 000 points laquelle... C'est une spoil alors c'est un spoil alors je devrais pas Mais le fait de marquer 50 000 points ils vont dire non c'est pas possible Attends je vais cliquer Juste le fait que ça vous attire Tu comprends ce que je veux dire ou pas Donc c'est pour ça que je spoil un peu Mais sinon pour, pour tout ce que tu as dit je suis tout à fait d'accord avec toi hein. c'est pour ça que je l'ai sélectionné hein. ça me gêne pas de reconnaître euh... Ça me fait chier, ça me fait chier parce que le custom Zombie c'est mon point fort Mais euh... Ouais je ferai attention. D'accord En tout cas, merci beaucoup, Miro Graphiste. Et merci pour ton compliment. Vers la fin, malgré je, ça, je suis toujours heureux de partager ta bonne humeur. Et... C'est gentil. Merci beaucoup, Ray. Autre commentaire. De la part de Gong Frex. On veut des épiques réactions et des vidéos plus longues. Likez si vous êtes d'accord. Ah bah là, carrément. <laughs> T'as carrément une armée. T'as. <laughs> T'as l'armée de terre là. T'as l'armée la... française là qui ont débarqué avec toi. 365. 365... Camarades qui ont été d'accord avec toi Plus de... <coughs> ouais non, pas plus de, mais... T'as eu 19 heures... Euh, 19 heures <laughs> T'as eu 19 réponses <coughs> De la part de, de tes camarades Les piques réactions Je peux te donner raison Et, et d'ailleurs, je te donne raison Mais faut pas que j'en abuse C'est ça, ça que tu dois comprendre, mon grand C'est que... T'imagines, c'est si à chaque custom map zombie Je le fais, je le fais, je le, le fais À un moment, c'est chum c'est-à-dire, Moi, mes épiques réactions, par exemple, j'ai envie de le garder pour le prochain DLC, par exemple. Un vrai Une vraie épique réaction. De temps en temps, je me permets de faire des épiques réactions parce que c'est des maps qui sont super bluffantes, des maps qui me rappellent des souvenirs, donc sur le coup, what the fuck. Mais sans plus, et encore, je me, je me maintiens, je fais, je fais des efforts. Hein. Parce qu'auparavant, on me reprochait que j'en faisais trop, alors que c'est tout le contraire. Parce que ça me tenait vraiment beaucoup à cœur. J'ai tenu en compte, j'ai dit ok, je vais me calmer chose que je fais, mais vous l'avez ressenti de vous-même après. Et ça revient dans l'espace commentaire. Ouais, non, euh, c'est mieux quand, quand tu gueules, race, Finalement. Excuse-moi, Kéry, je t'avais dit que t'en faisais trop, mais finalement j'aime bien quand tu cries. Hein? Moi, ça me dérange pas de le faire, mais si je le fais, il faut que ce soit de bon cœur. Et parfois, ça m'arrive aussi de voir des maps What the fuck. Euh, J'ai envie de crier, mais je me maintiens. J'ai, non, sans plus. Quand, quand, je, quand, je, quand je fais des épiques réactions, ça, ça, ça me tient vraiment beaucoup. à cœur. Il n'y a jamais eu de forcing. Moi, je suis encore un gamin dans ma tête. Hein. Je ne dirais pas comme ça. Hein. 28 piges, mais j'ai encore un gamin. Mais sinon, pour répondre euh, à ton commentaire, euh, Fex, on veut des épiques réactions, des vidéos plus longues. Plus longues, oui, ça rejoint tes camarades. Les gens, ils veulent vraiment de... Putain, ben, vous êtes vraiment nombreux. Eh, hey, mais moi, je vais vous faire des vidéos de 2 heures, si ça continue. Hein. Des épiques réactions, t'inquiète pas, j'en ferai. Je vais, vais travailler sur ça et... t'inquiète pas. Ok euh, commentaire suivant, en tout cas merci encore une fois Gongfrex. De la part de Dracorage. Dracorage, c'est une attaque euh, spéciale de Pokémon. Eh ouais, je connais. Hein. Tekka, j'ai une idée. Pour tes vidéos dure plus longtemps et aussi nous faire découvrir les maps. Déjà, fais comme d'habitude, ce qui veut dire le gameplay normal. Mais si tu meurs et qu'il te reste exemple des portes à ouvrir, hésite pas à te mettre en mode invincible ouais, pour nous faire découvrir les maps. Voilà une idée que je te propose. Ta commune demande des vidéos plus longues. La fin de ton message, ça rejoint exactement ce que, ce que, la communauté re, ce que, ce que tes camarades disent. C'est-à-dire, justement, de faire des vidéos plus longues. Ça, je suis encore tout à fait, tout, totalement d'accord. Euh, en fait, toi, ce que tu veux pour que mes vidéos soient plus longues, c'est Zama que quand je meurs, je refais, mais en mode in, 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 invincible. C'est ça En gros, Zama, je meurs pas. Ça me gêne pas. Mais au final, c'est en mode triche. Je fais mes me zombies en mode triche. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est. Je te donne tort, par exemple. Je peux pas me permettre, l'autre fois quand j'ai proposé le mode triche, j'étais limite gêné, sur le custom zombie. C'est pas con ce que tu dis. C'est pas de con. Dans ce cas-là, oui, je pourrais refaire, c'est-à-dire si je meurs, je refais, mais sans mode triche, etc., jusqu'à découvrir de plus en plus de portes. Ça pourrait être une bonne idée aussi de raccourage. Donc voilà. Mais selon ton ton côté mode invisible, non, je le mettrai pas. Je l'ai fait une fois histoire qu'on accélère la chose, mais je le ferai pas. Donc voilà, mais sinon, en général, ce que tu dis rejoint ce que disent tes camarades. OK Donc euh, Commentaire suivant. Rem touche. Alors lui, c'est aussi un de mes... Malgré ses propos crus, euh, c'est un de mes abonnés aussi fidèle. Euh, il dit ce qu'il pense. Et ça, d'ailleurs, j'ai toujours dit, quand je lui dis dire ce qu'il pense, bah, il n'hésite pas. Hein. Ce que je retiens de la map, rien. Tu n'as pas visité la map. Au prochain custom, applique-toi. Car la semaine custom perd, son, euh, perd du charme qu'elle aurait dû avoir. Le principe du custom map zombie il est de découvrir la map et non l'herbe et, et des armes. Je suis d'accord avec toi et à la fois pas d'accord. Ok euh, C'est vrai que ça, euh, tu n'as pas, pas visité la map, je te rejoins. Parce que c'est vrai que ça m'arrive de ne pas faire visiter toute la map, ça c'est vrai. Au prochain custom, applique-toi car la semaine, c'est vrai. Au prochain custom, je dois m'appliquer, c'est vrai, faire des vidéos un peu plus longues, etc. 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 Et Sur ça, je te rejoins. Ensuite, le principe. Après, tu dis le principe du custom map zombie est de découvrir. Faux Moi, si de mon côté j'ai envie de découvrir une map, par exemple, j'ai envie de jouer dans mon coin, une map que j'ai pas envie de vous proposer, mais que je joue rien que pour la tester, et je vois qu'elle me parle, qu'elle me fait super plaisir et qu'elle me plaît, et que je me dis au plus profond de moi, tiens, cette map là que j'ai testée, parce que puisque maintenant je la connais, cette map là que j'ai eu le coup de cœur, j'aimerais la faire partager. Donc, pour moi, c'est pas forcément une découverte, mais pour vous, oui. Tu comprends, euh, Remtouche Donc, voilà. Et ensuite, en ce qui concerne l'herbe dont je vous avais fait montrer, l'harmonie avec l'arme de Call of Duty 4 et les, et les autres herbes, c'est quelque chose d'important. Et quand tu regardes l'espace commentaire, t'as des gens qui ont dit Ouais, franchement, c'est une très belle harmonie. C'est vrai que. Parce que. Pourquoi j'ai parlé d'harmonie Parce que dans le solo de Call of Duty 4, T'avais les, les tireurs d'élite sniper qui, qui, qui essayaient de fuir les septanases, tu vois, les, les, enfin, les soldats russes, etc. etc. et euh, ils, devaient les, ils, devaient les, ils devaient essayer de se faufiler dans, dans les autres herbes. Ils étaient au camouflage sur les autres herbes avec leurs snipers euh, camouflage herbe. Et le fait de retrouver ça sur Roi à toi, ça a été un coup de cœur. Donc, toi ça, c'est des détails, par exemple, que personne ne te montrerait. Les gens te montreraient plus les secrets, euh, te montreraient l'aspect de la map, mais ne te montreraient pas ces petits, ces petits détails. Moi par exemple, ces, ces petits détails des autres herbes et le camouflage de l'arme en herbe, je fais très attention. Tu vois ce que je veux dire ou pas Mais sinon pour répondre à ton commentaire, euh, je suis d'accord avec toi, mis à part la fin. D'accord Donc voilà. Commentaire suivant. Tu m'as régalé de la part de Sevranc double hein, Sadoum, Je <laughs> sais pas si je l'ai relancé mais désolé. Tu m'as régalé cette semaine, j'ai pas beaucoup eu de cadeaux mais ça est, mais là mais ça en était un. Merci à toi. Fallait bien que je me prenne un petit commentaire positif quand même! <laughs> bah, franchement, merci beaucoup, euh, Sevent. Je vais t'appeler c'est plus court. Bah, merci. Bah, des cadeaux, bah. T'as des gens qui sont dans le même cas que toi, tu sais, qui n'ont pas eu de cadeaux, qui n'ont pas eu forcément la chance d'avoir des cadeaux. Peut-être manque de moyens, peut-être c'est une question de religion, peut-être etc, etc. Mais, faut que tu te dises, tu n'es pas seul au monde à ne pas avoir eu de cadeaux. Et puis, euh, le fait que tu dises que mes custom zombies ont été un cadeau pour toi, bah, ça me touche profondément. Et, euh, bah et puis voilà. Euh, je sais pas quoi te dire, bah mis à part merci. Euh, T'as beaucoup de personnes qui ont été d'accord avec toi, beaucoup de tes camarades qui ont été d'accord avec toi. T'as eu aussi commentaires réponse, et... et puis voilà. En tout cas, merci à toi, Sevran. Et voilà. Autre commentaire <laughs> Sangone. C'est bien beau cette semaine dédiée au custom zombie, mais le problème c'est que tu black, Tu bacs littéralement les cartes. On veut. On découvre quasiment rien, retire cette idée de vidéo trop longue, trop soulante On veut des découvertes totales, pas du vite, pas du vite fait, bien fait. Sangone, je suis d'accord avec toi. Ah, ça me fait chier de le reconnaître. Non, je suis d'accord avec toi, Sangone. Mais par contre, là, tu dis vidéo trop longue, trop soulante entre guillemets. Ah non, excuse-moi. D'accord, excuse-moi. Non, excuse-moi. Toute la ligne, t'as raison. Parce que je pensais que tu me disais, euh, ouais, je, je veux pas que tu proposes des vidéos trop longues et trop saoulantes. Non, excuse-moi. Là, ah, ouais, excuse-moi. Parce que, ouais, t'as mis entre guillemets, Zerma, c'est moi, moi qui le pense, ok. C'est vrai. C'est vrai que t'as vu, je, fais, je me fais des films sans gonne. Hein, c'est un truc de dingue. Hein. Je me dis que, tiens, si je fais des vidéos trop longues, ça va les saouler, etc., etc. Apparemment, non. Apparemment, non. Et vous êtes vraiment là à me le faire comprendre, vous êtes. Euh, limite, vous vous révoltez. Bon, les gars, ça suffit les conneries on marque un commentaire qui nous fasse des vidéos plus longues! Je le ferai avec plaisir, Sangon. T'as pas mal de gens qui ont été d'accord avec toi, Sangon. Et puis voilà. Vidéo découverte, ça on sait pas encore. Mais euh... j'essaierai de vous faire découvrir pas mal de choses à l'avenir, Sangon. Donc voilà. En tout cas, je sais que tes camarades ont été d'accord avec toi. Et puis voilà, c'est pour ça que j'ai sélectionné ton commentaire constructif et bien posé. Je ferai désormais attention, Sangon. Donc voilà. Merci, merci. C'est tout. Ah bah voilà, il n'y a, a plus de commentaires. En tout cas, voilà, comme vous avez pu le constater, tous les commentaires que j'ai sélectionnés, c'est à, à peu près du ressemblant. Je ne pouvais pas me permettre de prendre, parce que si je les prenais tous, j'irais toujours la même chose, j'irais la même chose. Parce qu'en en fait, mon problème sur les custom apps zombies, je pense que vous l'avez tous compris, c'est le temps de vidéo. Vous voulez plus de temps de vidéo, plus de découvertes, et entre guillemets aussi un peu plus des épiques réactions. Et voilà, c'est en gros, c'est en général ce que demande la, ma communauté. D'accord Bah je ferai de mon mieux de mon côté, je vais euh, Je vais faire de mon mieux. Moi ça a été un plaisir euh, d'avoir pris un peu vos commentaires, de voir un peu ce qui va, ce qui va pas. Moi ça me permettra de travailler, hein, malgré que j'aime beaucoup que, malgré que j'aime beaucoup le custom app Zombie. Bah je suis pas parfait, je suis loin d'être parfait sur le Custom App Zombie, mais euh, je ferai en sorte que, que mes futures vidéos custom app zombie vous vous plaisent autant. Et puis voilà, maintenant on va laisser le temps le faire. <laughs> Moi non je vous ai lu, laissez-moi un peu de temps. Et au fil du temps, regardez s'il y a eu de l'amélioration sur la durée de vidéo, sur la façon comment je commente pendant la durée aussi, parce que ça va être un peu plus dur. Parce que y a vidéo plus longue qui dit qu'il faut forcément plus parler, etc., etc. Donc, vous me donnez du taf en plus. Euh, et puis voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je ferai attention. Et puis, euh, pas de crainte, hein, après, vous de votre côté, vous avez vu, hein, continuez d'être sincère. Hein, ça fait mal sur le coup, parfois, t'as des, des commentaires que t'as pas forcément envie d'admettre. Et tu positives la chose. Tu dis quand même, c'est ta communauté, et ils te parlent, leur tourne pas le dos. Maintenant, vous, vous avez fait un pas vers moi. En me disant ce qui va, ce qui va pas, en étant gentil. J'en fais un aussi vers vous, et puis, euh, on va voir ce que ça va donner. Je vais pas, c'est pas vous faites un pas vers moi, et moi je recule justement d'un pas. Non, j'avance aussi vers vous, et, et puis voilà. Bah. Merci pour tout. <laughs> Merci pour tout et puis on va se retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si je vais vous proposer du multi ou un custom, je sais pas. J'ai réfléchi, j'y réfléchi et puis bah écoutez, merci de votre franchise. Continuez à l'être. Euh, C'est un point fort la franchise. Ça fait parfois ça peut faire mal. comme on dit la vérité blesse. Et puis euh, mais toute critique pour apprendre. Tu vois les critiques comme ça, vous avez vu les mecs ils étaient froids dans leurs propos mais tiens y a pas d'insulte à côté. Le fait qu'il n'y a pas d'insulte moi je prends. J'imagine le mec euh, par exemple Gwen, il m'aurait marqué le même commentaire à côté il m'aurait marqué ouais mais la prochaine fois fais quand même attention fils de pute là, là ça l'aurait pas fait là c'est de la provocation Tu vois ce que je dis là, pas Donc voilà Sur ce je vais sur cette fin portez vous bien Et à... Et à la vôtre Placement de produit Placement de produit T'es placement de produit Et celui-là là Et celui-là c'est un placement de produit Bichette Bon les hey je vais sur cette fin portez-vous bien. Et on se retrouve sur ce pour une nouvelle vidéo et puis voilà. Merci de m'avoir regardé, regardé jusqu'au bout. Et puis euh, voilà. Y'a rien comme ça la fin de comme. Ciao bye c'est mer.